Yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu, très bien sûr, c'est la suite de la série sur notre prédiction du jeu Tour de France 2024. Avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. On a eu un petit problème, c'est qu'en fait j'ai fait cette étape là. Alors déjà l'étape 7, j'avais en enregistrement audio, mais pas en vidéo. Donc déjà voilà, et cette étape là je l'avais fait. Et on a fini hors délai, donc il me manquait deux étapes. Bonjour à tous. Donc j'ai relancé, donc en fait en relançant la seule save que j'avais, c'était la première étape. Donc le deuxième catégorie dans cette save là, je n'ai pas réussi à la voir. Par contre, j'ai réussi à avoir un sprint intermédiaire. Mais ça comble pas parce que j'avoue que le deuxième 4 vraiment c'était quelque chose de ouf. Bah du coup on a toujours le A plus en agité, j'ai juste fait un truc comme ça, voilà. Au moins on l'a entre guillemets, cette sauvegarde là. Et ce qu'on va faire je pense sur cette étape. Bon déjà c'est vrai que la vidéo va être un peu courte, mais nous notre objectif honnêtement aujourd'hui c'est bah très clairement je pense qu'on va mettre Mozzato Venturini démarre à 100. Et nous l'objectif c'est même j'en plus 100, parce que l'objectif c'est d'aller chercher très clairement le deuxième 4. Hein. Je vais pas vous le cacher. Vous vous doutez bien que nos coéquipiers c'est pas eux qui vont empêcher les hommes de tête. En 2 secondes. Hop là voilà ce jeu. Merci. Donc vous doutez bien que c'est pas notre équipe qui va empêcher un maximum de 50 les hommes de tête de prendre de l'avance. Même la montée finale. Et ça se confirme notamment. C'est absolument pas nous. Pas se rater aujourd'hui. Le premier col. Allons faire ça. Pour le classement du Grand Prix de la Montagne. Combien sur 14 d'être parti en tête. En deuxième catégorie. Il y a 5, 3, 2, on va d'ailleurs les arrêter parce que ça va strictement rien. Comme c'est que la côte elle était très rapide, mais très rapidement après. Le départ, la Martinez en blanc, bah, du coup, il y a 10 points de plus en UCI parce que du coup j'avais repris sur la première étape et démarre avait fini 6ème. Comme ça. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui veulent y aller à l'avant. Donc on se retrouve un peu dans une situation où on est en chasse patate là. Avec Brieux. Écoutez. Voilà le classement du dernier. Pas forcément oufissime ça. Hein. Fait rouler son équipe. Donc, on essaie de revenir, si on revient pas, bah, on va se relever. Hein. Mais j'avoue que là, c'est pas forcément ouf. On se retrouve avec 2 minutes de retard. En tête de course, c'est bah, revenir le sur le coffre. Ouais, bah écoute, hein, moi je collabore plus maintenant, je suis désolé, mais bon. Airbus et tout, on va peut-être revenir. Au pire, la prochaine difficulté. On n'a pas beaucoup de bleu. On est en col de l'épine, 6 700 km à 7,1. Pour cent de pente moyenne. Diminue un peu l'allure. Déjà trop dur pour nous, on est obligé d'attendre Vauclin. Bah en fait attendez. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre notre courant à 80 parce qu'on s'était retrouvé très très vite la dernière fois. Donc tac. Le problème c'est qu'on s'était vite retrouvé hors délai. Un coup de moins bien. Enfin, c'est pas que c'était tout vite, on s'était retrouvé dans les 3 derniers kilomètres à hors délai. Donc bon là j'aimerais juste pas avoir ce scénario là sur cette étape. Tant qu'on gagne des kilomètres et des minutes d'avance sur la journée va être le peloton, moi ça me convient. Le problème c'est que l'échappée à 8 minutes d'avance, bon soit l'échappée ils sont que 10 hein, devant. Donc au final voilà. Dans tous les cas, Johansen a le maillot meilleur grimpeur, hein. Donc ça change pas des deux saves. Enfin, sur ça, c'était Caruso qui l'avait récupéré à un moment. Alors, on récupère un peu de bleu dans cette zone, donc déjà on en a contrairement à la dernière fois. Et Mozzato va venir en descente, la protéger Brieux. Aérodynamique est utile pour augmenter sa vitesse sans faire des. Bon, ce qui veut dire que là, Vauclin est 28ème. Hein. De toute façon, l'autre save était genre. 21ème ou 22ème, donc ça servait strictement à pas grand chose. On essaie surtout des trucs. On sait que je relance parce que mon coureur a fini en délai, oui, mais bon, en attendant, j'avais pas fait l'autre étape. Là, du coup, je les ai toutes simulées, sauf l'étape 1 que j'ai dû terminer, l'étape 2 parce que j'ai essayé de choper le deuxième 4, ça n'a pas marché, et l'étape 6 où j'ai essayé de choper le deuxième 4. Mais sinon, bah 3, 4, 5, je les ai simulées assez rapidement. On va essayer de basculer quand même un minimum dans cette ascension. Mais putain, mais ce mongol, pourquoi il. Pas ce mongol, mais pourquoi il se met au sprint. Bon, au moins on est dans le groupe avec Félix Gall et tout. Donc, au moins on est dans un gros groupe Eto pour le moment. Voilà, on va juste essayer de s'accrocher.
Ce qui est chiant, c'est qu'on est en frayeur constante à chaque fois. Il y a David qui est parti devant, on sait pas pourquoi. T'as l'air d'être dans... Rouge, lève... le pied si tu veux. Alors, pas en tout cas, avoir... là, on va donner bon. Bleu à Vauclin et à Rodriguez. Le sprint intermédiaire de cette épreuve approche. Oh, vous avez rien loupé parce que bon, dans l'autre épisode, en soi, quand j'avais fait la croix de fer, les deux avaient pris... T'as l'air, Vauclin, il a pris genre 10 minutes. Les premiers ouais, c'est littéralement essayer vraiment de finir le mieux possible cette étape. Bon, on n'aura pas de deuxième 4 avant le tour, donc on aura 64 montagnes si cette étape est terminée, je précise, hein, parce que c'est absolument pas assuré, on va limite se la faire en intégralité. Bon, on va se la faire en intégralité, mais en simulé. Hein, Il y aura donc 10, 8, c'est pas forcément 6, 4, oufissime. 2 et il faut vraiment quand même qu'on termine au moins le Dauphiné ou Paris-Nice. On s'est fait prendre à hors délai sur Paris-Nice. J'avoue que c'est ça qui m'embêtait parce qu'en vrai, si ça m'aurait repris pile genre sur étape 7, bah moi ça m'aurait pas dérangé. Comme ça, au moins j'aurais pu avoir le deuxième 4. Mais là, j'avoue, ça m'embête, c'est pas de voir le deuxième 4. Hein. Est-ce qu'on donne déjà le gel bleu dans cette difficulté? Je pense pas, honnêtement. Ah, il y a le peloton qu'on est. En vrai, avec la barre de fatigue, autant donner. Hein. Dès maintenant, à Vauclin, il y a. Ah, et Rodriguez, ils sont quand même en forme, mais bon, les deux sont pas non plus, enfin, ils sont en forme, oui, mais bon, voilà quoi. Vauclin, c'est un peu limite pour lui, ils ont même pas basculé encore au sommet. Placé en première catégorie, il y aura un maximum de 10 points supplémentaires. Opération sauver le soldat Brieux. Évidemment, Mozzato nous a pas attendu, hein. On s'est même... Non, ça va, encore, il y a beaucoup de mecs derrière nous quand même. Il faut à tout prix qu'on reste avec ce groupe de 34, les gars, s'il vous plaît, aidez-moi. Voilà, je reste avec vous. Bon, la vidéo va pas être très intéressante à regarder pour vous, c'est vrai. La course est à 2 km du sommet. Et bon, écoutez, on leur donne le gel à mes deux coéquipiers qui sont en train d'exploser. Ah oui, ils sont dans le col d'après. La tête de course aura en plus, ça bougeait devant. Au final, de toute façon, ça a rien servi parce que je les avais envoyés deux échappés, mais ils ont fini à 10 minutes hein, sur l'étape 8. Donc bon, ça ne servait à rien, de toute façon là il n'y a plus d'enjeu général. En soi, on a pris 10 points sur cette save, donc est-ce qu'on en aurait... On n'avait pas pris sur le Dauphiné de toute façon dans l'autre save, donc ça ne servait à rien. On va juste quand même leur dire à ces deux zigotos, enfin pas ces deux zigotos, mais au moins... Et relayez fort. Voilà, on est à 20 minutes voilà, pour le moment et on va aller demander aussi de la Colombière. À Rodriguez, la voilà. Est l'ascension la plus longue de cette journée, près de 12 km. C'est sur la ces bon, du coup, mon jeton, c'est début de l'Euro. De faire la différence, et malheureusement, je pense aujourd'hui. Le col de on ne parlera pas de aujourd'hui. J'ai pas vu les résultats, hein, mon jeton, du coup, vu que c'est... la vidéo sort deux mois après. L'écart entre je n'en parlerai pas. Et la tête c'est de quand la... même compliqué. Bon, on va quand même essayer de terminer cette étape. Vauclin et tout sont très loin. C'est super. Nous, l'objectif c'est sauver le soldat Brieux. Donc, déjà, on a pas mal d'avance. Col de la Colombière. Devant, ils s'amusent. Nos deux corps vont prendre 10 minutes. Voilà, j'avoue que la vidéo est pas très très intéressante pour vous. Hein. Je vais pas vous le cacher, mais bon. Ah, c'était surtout objectif sauver notre coureur. On se colle. Ça permet de voir plus de gameplay que d'habitude, même si c'est juste de la simulation en soi. C'est pas forcément non plus ouf. Allez Brieux, essaye de terminer l'étape. Les hommes de tête. En vrai on fait quand même une belle 70ème sur moment. Le groupe des favoris. Parce que sinon on était 148ème et hors délai. Automatique ça. Il prend la tête du vous arrivez une fois en carrière. Victoire de David devant Vingueux et Primoz. Au passage, Lenny, 4ème, 5ème Tadej, tout va bien. Diminue un peu l'allure. Bon un peu va finir 5ème, 6ème pardon. On est quand même avec Benjamin Thomas et Vandenberg. J'ai rien contre Vandenberg, Benjamin Thomas, mais bon, avec Brieux Roland, c'est vrai qu'on a un peu leur tête. Voilà, Brieux Roland, pas très bon en montagne, mais bon, soit à ce niveau-là, c'est vrai que ça m'étonne un peu. Bon, on va quand même être dans les délais, normalement. C'était aux alentours de 45 minutes hein, que le corps était en délai. Si on peut un minimum récup dans cette descente, on s'en privera pas. Voilà, Col de Rome, 6 km 100 à 5,6% de pente moyenne. Par contre, j'avoue que sur les deux simulations de l'étape 6, enfin l'étape après de faire, je suis dit 53ème et là dans le jeu ils m'ont mis 130ème. Et sur l'étape de. Non, c'est quelle étape? C'est étape 5, oui, je fais genre 40ème, bah, vous l'avez vu.
Et au final, bah, dans le jeu, ils mettent 130e à un quart d'heure. Putain, on a eu trois groupes à mal là. Au final, on a sauvé le soldat Brieux sur ce dauphiné. Bon, après, en ayant refait ce dauphiné, mais il a sauvé le soldat. Et du coup, hein, on aura des étapes hors contre-la-montre terminées sur ce dauphiné qui nous donneront des ups. On aura un sprint intermédiaire en plus, un chrono terminé, deux étapes de montagne, une de moyenne montagne et trois de vallon terminées. Si vous avez déjà compris quelques ups, bon, pas de deuxième 4 malheureusement. En fait, c'est un problème, c'est qu'on a juste pas eu de deuxième catégorie. Et bon, il faut qu'on en aille en chercher sur le tour de France. Le problème, c'est qu'on arrivera sur le tour avec 64 montagnes. 63 moyenne montagne. C'est vraiment dommage qu'on ait pas eu le deuxième 4 parce que. Oh, le deuxième 4, comment il nous aurait sauvé, je vais pas me cacher. Un deuxième 4, là, ça nous met plus un moyenne montagne, plus un vallon, plus un. Oui, plus un moyenne montagne, plus un vallon, plus un montagne. Mais plus un montagne, quand même, c'est idéal. Victoire de David, le jeune pour David! Premier français à gagner une course par étapes pour le tour depuis Christophe Moreau sur Dauphiné 2007. Poggia le vert, le maillot blanc pour rouge pour maillot bleu à pas blanc pour Van Edveld et le blanc pour Lenny Martinez. Régalade ou pas FDJ. Hein. Trophée obtenu, petite boucle. Hein. Terminé le critère du Dauphiné. David Gaud du corps français, la Groupama FDJ s'impose en 4h12 minutes et 58 secondes avec 10 secondes de modification. Le corps se sont pris une mascarade. Du côté du classement. Oh putain, on est malade. Du côté du classement général en 29h13 minutes et 24 secondes, c'est David Gaud du corps français de la Groupama FDJ. Du côté du classement, numéro 1 plan 48 points pour Van Edveld. Nerf Van Edveld, le belge de la l'autodestiny. Du côté du classement, par points, c'est Tadej Pogacar. Tadej Pogacar, semaine de la 8 mérite avec 70 points. Du côté du classement des jeunes, en 29h20 minutes et 13 secondes, c'est Lenny Martinez, le corps français de la Groupama FDJ. Du côté du classement par équipe, c'est notre équipe française de la Groupama FDJ. En 88h, 6 minutes et 57 secondes, et puis du côté du classement de la combativité, 484 km pour Tobias Alandio Hansen, le Norvégien d'Ainoix pour sa Team. Donc, au moins, on termine quand même ce Dauphiné. Notre équipe, bah, plus 20 PPC, 386 PPC pour Wout van Aert, le belge de la Visma Elizabeth, et puis nous, bah, plus 82 PPC, 987 PPC pour l'équipe néerlandaise de la Visma Elizabeth, mais nous, on n'en a pas pris. Mais sur le Dauphiné, de l'autre côté, on n'en avait pas. Donc là, ça nous fait combien de points? On passe à 74,4, donc c'est vraiment très bien. Et qu'un up en pleine termine un contre-la-montre individuel 1 sur 1. On aura terminé 10 étapes de pleine et même 15 étapes de pleine sur le tour. Sprint, plusieurs attaqués, gagner un sprint intermédiaire. Ah putain, c'est que j'ai pas fait, j'avais aussi cumulé 200 km d'échappée en solitaire, je crois. Ou 150, je crois. Avant, donc bon. Gagner un sprint intermédiaire 2 sur 2, on essaiera d'en avoir sur le tour. Accélération de plus 1, gagner un sprint d'inter. Vallon plus 1, terminé étape de vallon 10 sur 10. Ça nous aurait tellement mis bien la deuxième 4 quand même. On a 39% de nos objectifs de carte réalisés, donc 76 vallons, 71 axels, 69 sprint, 66 plaines. Moyenne montagne plus 1, terminé étape de moyenne montagne 1 sur 1. Montagne plus 1, plus 3, 65. Ah putain, mais moyenne montagne, j'ai pas fait gaffe. Terminé étape de montagne 2 sur 2, terminé étape de montagne 3 sur 3, et terminé étape de moyenne montagne 1 sur 1. Putain, ça voudrait dire qu'on aurait eu 66 montagnes, ça nous aurait tellement bien mis. Plus 1 contre 1, on termine un chrono individuel 1 sur 1. Prologue 69, termine un contre la montre individuel 1 sur 1. Endurance plus 0,76. Résistance plus 0,75. Pavé plus 0,64. Il nous reste 9 secteurs à faire. Hein. Et après, ça sera 5, donc ça va être compliqué, mais bon. Agité A plus, 100% forcément. Et récupération B. On est en récup B. Parce qu'on a terminé l'étape hors contre la montre 20 sur 20. Et terminé l'étape de montagne 3 sur 3. Donc là vraiment on est plus que bien. Et sur le Tour de France on aura à time étape hors contre la montre. Il n'y a pas un 40 sur 40 qui existe. Si voilà, time étape de hors chrono 40 sur 40, ce sera le cas. Avec vu qu'on sera. Si on termine le tour dans les DN normalement, on en aura combien? On en aura 19, donc on sera à 41. Il n'y a pas un 30 sur 30 qui se bat quelque part. Et 30 sur 30, on l'aura, donc on en aura deux. On aura terminé une course de plus de 200 km, 5 sur 5. Terminé le tour, ce sera vraiment bien. Et peut-être gagner le classement du super combatif du tour. Donc, ce qui voudrait dire qu'en récup, on pourrait faire potentiellement. Allez. Enfin, des 4 objectifs peut-être en plus. Et puis, on aura terminé les étapes de montagne sur le tour aussi, hein, qui vont beaucoup nous aider. Terminer les étapes de plaine. En tout cas, vous savez ce que c'est le prochain objectif, épisode qui va arriver très rapidement, c'est le Tour de France. On sera en pic de forme.
Et ce Tour de France, avec le parcours réel, Florence Rimini. D'entrée, on va être dans l'échappée, ça va faire très mal. Cincinnatico Bologna. Piesance Turin, en tout cas Plaisance Turin. Par contre, on se prend 3 étapes de plus de 200 bornes d'un coup. Ça fait quand même très mal, hein. 2 étapes de plus de 3, 2, enfin 3 étapes de plus de 200 bornes d'un coup, quand même. Alors, c'est quoi ce problème là qui nous est arrivé? Donc, voilà. Donc, là, attendez, j'ai un problème avec le jeu, ça me saoule. Mais non, mais quand je dis que ce jeu est. Enfin, c'est tellement chiant, c'est ça. Alors, déjà, que des fois, les jeux, je peux plus l'ouvrir parce que j'ai trop de gigas à utiliser, mais bon. Donc, je disais. On a quand même 3 étapes de plus de 200 bornes. Sauf qu'après, on a Pinerolo, Valois. Grosse étape. On a des deuxièmes quêtes ou pas des premières étapes? On en a Saint-Jean-de-Maurienne. Pardon, c'est. Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Vulbas. Donc là, ça va être repos. Repos Mâcon-Dijon. Nuit Saint-Georges, Gevrey-Chambertin. Alors, il n'y a pas d'objectif avec des secteurs blancs, c'est vrai. Mais chrono, qui va me faire très mal. On aura que 60 chronos, ça va me faire très mal, je l'avoue. Ce mur en Auxois, Colombey des deux églises. Donc là, on aura vraiment une étape type général de Gaulle, tout ça. Mais ce sera pour le repos. Même si au bout de 3 semaines, les échappées peuvent surprendre, pourquoi pas sprinter. 204 km de chemin blanc. Ça va faire très mal. Orléans, Saint-Amand-Moron, 193. Et ce qu'il faut surtout se dire, bon, Évreux, pardon. Évreux-les-Bains, le Lioran. Aurillac, Villeneuve-sur-Lot. Agen-Pau. Pau, Saint-Lary-Soulan, Pladadet, Loudenvielle, Plateau de Baie, Gruissant, Grand-Narbonne, du coup Nîmes, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Super Dévoluy, Gap, Barcelonnette, Ambrézola 2000, Nice-Col de la Couillole et Monaco-Nice. Alors c'est vrai qu'on peut dire oui, là la fin c'est plutôt court. Oui. Si vous vous souvenez bien, sur le Tour de France 2023, on avait 2 étapes de plus de 200 km. La première et je crois la 19ème, un truc comme ça. Là on en a 3, les 3 premiers jours, hein, retenez bien ça. 4 en première semaine sur le jeu. Donc on en a combien 4, 5, 6, 7 étapes de plus de 200 km. Ok, ça rajoute une de 195. Une de 193. Donc on est sur 8 étapes à plus de 190 km. C'est énorme pour un tour ces dernières années. Et la limite de l'UCI c'est 3500 km. Bon, si on regarde quand même le chrono de Monaco, il va falloir essayer de le terminer, mais... Étape de plaine, du coup on en a combien sur ce tour? Je crois on en a 9, hein, mais il compte le chrono dedans ou pas? Donc on en a combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on en a 9. Ce qui veut dire qu'on aura l'objectif de. Si on termine le tour, hein, je dis bien. Les objectifs de terminer étape de plaine 10 sur 10 et 15 sur 15 terminés. Étape de montagne, Valon, ça c'est terminé, mais. Montagne, on aura 4 sur 4. 4. C'est 5, 6. 7, 8, 9 de terminer potentiellement. Et 10 à la fin de saison si tout se passe bien. Mais en moins de montagne. Attends, on en 3, 4, oui. 5. Ah, pardon, oui, on en a 5 sur le jeu, oui. Donc, ouais, c'est ça. On en terminera 5. Donc, ça nous mettra à 8 sur 10. En moins de montagne, on en a combien? On en a 1, 2. On en a 2, donc ça nous fera 3 sur 3, je pense. Donc là, nos objectifs de carte, ça va évoluer sur le Tour de France. Plus terminer le tour, plus terminer des étapes de plus de 100 km. Bref, j'espère que cette vidéo d'une étape seulement vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, si c'est Cyclisme 3D. Pour tout bien, à la prochaine. Ciao, ciao.